Allez, on va s'intéresser à la finale du 60 mètres. Et on a tout à l'heure suivi, bien sûr, les demi-finales. On a vu hein, qu'il y a eu un passage à la perche pour l'Allemande et puis également que c'était l'Éthiopienne qui s'était imposée aux 3000 mètres. L'Éthiopienne, non pas l'Éthiopienne, mais plutôt la Kenyane Viola Kibiwott hein, qui s'est imposée aux 3000 mètres. Voilà la liste de départ donc pour ce 60 mètres et féminin. Daniel Caro, sciences américaines au couloir numéro 1. Augustus Stoin au couloir numéro 2. Tereda, elle est au couloir numéro 4. Anaï Tereda. Au couloir numéro 5, Priscilla Lopez. Priscilla Lopez, 7,96, la seule à être descendue sous les 8 secondes lors des séries. Kondakova, Yulia Kondakova, qui elle était dans la série de Anaï Tereda en 8,08. Tereda 8,06 tout à l'heure. Candice Davis en 8,17 avait terminé 3e de cette même série. Elle sera au couloir numéro 7. Et enfin, Tatiana Pavli au couloir numéro 8. Tatiana Pavli, 8,18 aujourd'hui. Elle est déjà descendue sous les 8 secondes. C'était à Krasnodar. Alors évidemment, sur ce que l'on a vu, Renaud, lors des demi-finales, la favorite, c'est la Canadienne. Bah oui, bien sûr. En fait, c'est l'affrontement entre l'eau et le feu. On l'a dit tout à l'heure, la Canadienne qui est toute en puissance, toute en muscles. Et Anaï Tereda qui, au contraire, elle, est plutôt un peu limitée sur le plan physique, mais qui est très, très fluide, très, très technique. Pour l'instant, là, on a vu Anastasia Shvedova manquer son essai à 4,45 m à la perche. A priori, avantage à la Canadienne. Et la Canadienne et la Cubaine qui sont au coude à coude. Et c'est la Canadienne qui va aller se détacher pour aller chercher la victoire encore une fois sous les 8 secondes. 7,95, on pouvait s'y attendre hein, que ça descende une nouvelle fois sous les 8 secondes. 7,95, c'est équivalent à son chrono du côté de New York lorsqu'elle s'était imposée. Elle est régulière quand même, Priscilla Lopez. Et la puissance a prévalu sur la fluidité. Voilà, tout à fait. Et pourtant, Anaï Tereda a vraiment fait ce qu'il fallait au départ. Hein. Elle est allée la challenger sur son terrain de prédilection, c'est-à-dire sur la poussée initiale. Mais après, bah, quand le moteur a mis le turbo, voilà, Priscilla Lopez s'est envolée, gagne cette course. Elle est très, très régulière. 7,94 pour Priscilla Lopez, finalement, chrono corrigé. Donc, meilleur chrono en ce qui la concerne cette saison, Priscilla Lopez. Un petit centième de mieux, un centième encore de la deuxième perf signée par Lolo Jones. Anaï Tereda en 8 secondes tout rond. Oui, on revoit l'image donc bien la vitesse supérieure dans l'inter-obstacle pour la Canadienne. Ça passe toujours pas à la perche pour la Russe. Daniel Carlosers, l'Américaine, est troisième en 8,02. Augustus Stoyen, la Nigériane, 8,06. Angela White, 8,08. Tatiana Pavli, 6e en 8-11, et Priscilla Lopez avec Samira Moudi. Priscilla, congratulations. 7.95 for the second time this season. You keep going faster. That's the plan, keep going out there. Had a great time, great atmosphere out here. The people are lovely. Une super atmosphère ici. Back next year. Et j'espère que voilà, je vais revenir l'année prochaine. Oui, ça ira plus vite comme ça, Samir. Voilà, Nicolas, donc on va continuer. What do you expect this season? Lolo Jones going pretty fast. Do you think you can beat her? And what's your goal for 2009? Qu'est-ce que vous espérez pour 2009? J'ai essayé de faire de mon mieux, de faire tout ce que je peux. On verra bien ce qui se passera. Et, mais j'attends cette saison avec impatience. Voilà pour Priscilla Lopez, avec canadienne mais anglophone, comme son nom ne l'indique pas. Et qui s'impose en 7,94. Donc elle améliore d'un tout petit centième son meilleur chrono de la saison. Mais c'est surtout sa régularité que l'on retiendra, Renaud. Oui, oui, très très régulière. Mais encore assez loin de Lolo Jones, qui elle a été deux fois régulière à un meilleur niveau, 7,85 pour l'instant, la seule à être descendue sous les 7 secondes 9.